Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler des titres et des textes d'animation. Alors vous voyez, j'ai ouvert PowerPoint, je me retrouve sur la page d'accueil et moi je préfère quand la diapo est vide, donc je vous mets une diapo vide. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des jolis titres animés et puis aussi les différentes façons d'animer un texte, que ce soit pour vos présentations ou pour vos vidéos qui seront beaucoup plus attrayantes. Il y a plusieurs façons de faire des textes. On va commencer par la méthode WordArt qui propose différents types de textes. Ici, on va donc à la place de votre texte y mettre les 10 vidéos. Et voyons ce que nous pouvons faire avec ça. En premier, vous allez retourner dans Accueil et modifier les lettres. Moi, je les veux en majuscules. Je vais aussi changer la couleur que je trouve peu voyante. Voilà, je vais mettre dans un rouge. Et ici, je vais changer la police de caractère car je préfère une autre police. On peut prendre bon, celle qu'il y avait déjà. On pourra toujours changer après. Je mets un petit effet de lettres en relief. Et puis là, je vais aller dans Dessin. Ce type de texte se traite comme un dessin. Si vous le désirez, vous allez pouvoir mettre un remplissage différent. Là, il est blanc. Pour vous montrer, je vous mets un remplissage dégradé. Et bien sûr, mais bon, pourquoi pas. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt essayer de mettre des effets comme l'ombre, les reflets, que ce soit ombre, reflet, éclat, bord, format 3D ou rotation, vous avez beaucoup de possibilités. Moi, ce que j'aime surtout, c'est de me faire des petits formats 3D. J'aime bien ça. Je trouve que ça donne un relief sympathique à nos lettres. Et on a la possibilité de l'augmenter ou pas, mais je vous laisserai faire à votre goût. Par contre, pour que les lettres soient plus visibles, on va peut-être changer la police de caractère. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, on clique pour voir. Voilà, on les met tout en haut. Vous voyez, c'est assez sympathique. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller animer notre Lady vidéo. On va cliquer en haut sur Animation et puis on va ajouter une animation et on ouvre le volet d'animation pour voir ce que l'on fait. Alors contrairement à des textes où on peut mettre les lettres une par une et puis les animer une par une, là on va juste pouvoir mettre une animation qui s'adresse à l'ensemble des lettres du titre que l'on a mis et heureusement d'autres possibilités. Et nous allons mettre notre Lady vidéo à nouveau. Je le mets à la fin comme ça pour pouvoir mettre en majuscule avec l'accent. Ça m'évite de le chercher. Là, je vais changer. Je vais mettre la même police que sur l'autre Lady vidéo, la même couleur. Et je vais changer aussi la grandeur de police. Et je mets 60. Voilà. Donc vous voyez que c'est un texte qui ressemble étrangement à l'autre, avec un petit peu moins d'effet, mais ça, on va pouvoir s'en occuper. Là, je vais aller dans Dessin et je vais avoir les remplissages et puis, ce que j'aime beaucoup, les effets 3D. Et là, on va le mettre à 8. Et là aussi à 8. Voilà. Bon, on ne le voit pas très bien, mais c'est un petit peu différent des autres lettres. On va faire pour toutes les lettres. Alors, je copie ma première lettre. Je mets à la bonne police et je vais mettre une animation
pour avoir une animation plus sympathique qu'une entrée simple, comme on peut le faire avec le Smart Art. Ici, je vais lui donner donc, je vais faire une copie de cette lettre-là, de façon très simple, pour pouvoir avoir la même chose à côté. Je vais cliquer droit sur ma lettre et je vais essayer de l'amener à côté et cliquer après sur copier ici. J'ajuste l'espace entre les deux lettres. Je mets d'abord ma lettre qui va avec. J'ajuste l'espace et je fais pareil. Je refais une copie. Allez, si tu veux bien. Une copie de la lettre que je viens de mettre, copie, et je fais le D de la même façon, et ainsi pour toutes les lettres de Lady Vidéo. Je mets le E en petit, et je vais dans Accueil, et je mets en majuscule, et voilà, ça fait un E majuscule que je n'aurais pas eu. Allez, hop, voilà le haut, les lettres qui vont avoir la même animation sans que j'ai fait vraiment autre chose que du copier-coller. Voilà, on va essayer d'aller regarder nos animations en cliquant sur la petite étoile qui se trouve en haut à gauche du slide. Voilà, donc on a la première, la deuxième. Voilà, vous avez vu que le second Lady Vidéo, je n'avais pas mis d'animation, donc il est resté sur le slide dès son apparition. Alors, une fois qu'on a fait cette animation, moi je trouve qu'elle n'est pas assez punchy et je voudrais la mettre un peu plus punchy. Donc je vais dans volet d'animation et je fais la durée à 0,25 au lieu de 0,50. Ça a un peu plus de punch, ça va plus vite. Mais on peut aussi faire en sorte que ce soit encore plus dynamique en ajoutant une deuxième animation. Donc on clique sur ajouter une animation et là on va lui donner une petite accentuation, un effet de je bougeote. Voilà, je vais donc aller faire ça pour chaque lettre. Je vous montre en individuel, mais on va voir après comment aller plus vite. Donc on remet chanceler, voilà, donc ça va se faire puisque c'est tout en bas, après toutes les autres, hein. C'est pas forcément ce que je veux. Donc on va prendre toutes les lettres auxquelles n'ont pas été ajoutées l'animation et je vais les rajouter. Et nos animations se mettent à la fin de toutes les autres, ce qui paraît normal puisqu'on n'a pas donné d'indication. Alors on va, en cliquant sur la petite étoile, regardez ce que cela donne, notre animation. Alors on va voir les petites lettres qui s'animent tout à la fin, mais c'est pas terrible. Alors maintenant nous allons essayer de régler un petit peu tout ça parce que il faut pas les faire passer avant les autres. Donc on fait après le précédent, et on peut tout faire d'un coup en cliquant et en tenant le bouton Maj. Ainsi, on fait tout en même temps en les passant après. Voilà, donc ils vont bien être l'un après l'autre. Mais moi, je trouve que ce serait encore beaucoup plus sympathique si on les mettait après leur parution. Donc, on va faire ça tout de suite. On va prendre la deuxième animation qui correspond à chaque lettre. Je vais donc enlever le Lady Vidéo qui n'a pas d'animation. Et puis, je vais prendre toutes mes lettres pour mon animation et les mettre au milieu pour que ce soit plus visible. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre chacun des éléments et le mettre sous la lettre qui correspond, le L en dessous le L vert, le A en dessous le A vert, le D, etc., etc., jusqu'à avoir mis chaque lettre sous sa lettre de couleur verte. Et ainsi, ça va totalement changer
l'animation et on va regarder en cliquant. Les lettres bougent une à une quand elles arrivent, ça donne un petit peps, mais c'est pas assez à mon goût. Alors maintenant qu'on a fait les différentes animations, elles vont se dérouler l'une après l'autre, mais ça va être peut-être un peu trop rapide. Alors on va retourner dans l'animation, dans le volet d'animation. Et ici, alors non pas dans délai, parce que ça c'est le délai entre deux animations, mais dans durée, on va mettre soit 1 centième de seconde, soit 0,25 centième de seconde. Je pense que 1 centième de seconde, ça va permettre que ce soit plus dynamique. Donc on laisse comme ça et on regarde. Ah oui, là c'est dynamique, c'est très sympa. Voilà donc pour cette animation. Alors maintenant que nous avons terminé notre animation qui est sympathique, je pense qu'on pourrait peut-être aussi rajouter du son à notre animation. Alors, soit sur toutes les lettres, soit sur la première et la dernière. Je vais me contenter de faire la première et la dernière, sinon on va y passer la journée. Donc on clique sur la lettre que l'on veut et on va ajouter dans effet l'animation son que l'on veut. C'est-à-dire, par exemple, ici, le carillon. OK. Et là, effectivement, lorsque l'on a écouté, on a entendu le carillon, mais au début et à la fin, quand ça commence et lorsque la lettre se met à chanceler. Et c'est pas ce que je veux. Un son, c'est bien, deux, c'est trop. Donc ici, on va changer et on va mettre aucun son pour la première partie, lorsque ça apparaît, et par contre, dans la deuxième partie, lorsque ça chancelle, nous allons mettre le son du carillon. On va le laisser comme c'est. Voilà, maintenant, on va faire la même chose avec la dernière lettre de cette animation. Et là, on voit que l'on n'a pas de son, et on va pouvoir rajouter un son. Sifflement, oh, c'est pas terrible le sifflement. On va aller en mettre un autre. On va carrément mettre la bombe. Voilà. Et là, bien sûr, j'ai pris les deux au lieu d'en prendre qu'un. Donc, je retourne dans les effets d'animation sur le premier pour enlever le son. Aucun son, voilà, et on écoute. Alors, on va changer donc le son parce que je ne trouve pas ça extraordinaire. Eh bien oui, on va prendre roulement de tambour, c'est vrai que pour terminer la vidéo avec le haut qui roule de tambour, on écoute, c'est sympa. C'est pas mal. Il ne vous reste plus qu'à explorer toutes les possibilités pour rendre votre titre beaucoup plus attrayant. Maintenant, nous allons passer aux possibilités d'animation des textes. C'est un peu comme pour les titres, mais on n'a pas les mêmes objectifs pour un texte que pour un titre. Donc, les animations, on peut les faire différemment. Une fois le nouveau slide ouvert, la nouvelle diapositive, je vais aller coller un texte dans une zone de texte en lorem ipsum, qui est un modèle de texte pour mettre en forme les textes que l'on a à mettre dans des documents. Je vais donc mettre une police de caractère, en tout cas une taille qui correspond à mon slide. Et puis, on va commencer les animations par le premier paragraphe. Donc, on va dans Animation, ajouter une animation, apparaître, et apparaît notre première animation. On regarde, cela apparaît très vite, mais cela apparaît, donc on peut éventuellement aller augmenter ici la durée de notre apparition. Voilà. Maintenant, nous allons passer au second paragraphe. Toujours
une animation apparaître. Pour l'instant, on va prendre la même animation, mais on va la décliner sous différentes formes. Tout simultanément, c'était avant. Maintenant, on va faire par mot. Et on va choisir le nombre de secondes après la précédente. C'est bien. Hop, on y va. Voilà. C'est, me semble-t-il, un petit peu lent. Donc, on va pouvoir accélérer un peu en retournant dans les effets si on souhaite que ça aille plus vite. Mais prenons maintenant le troisième paragraphe. Vous ferez les réglages comme cela vous plaira. Bien entendu, on va le faire partir après le précédent. Et on va aller dans les effets de minutage. On ne va pas prendre tout simultanément, mais là, on va faire par lettre et on va diminuer encore le temps entre les lettres pour que ça puisse se lire de façon fluide. Voilà. On va en reprendre pour aller encore plus vite et descendre à 1/100 de seconde. Voilà, c'est lisible normalement, donc c'est bien mieux comme ça. Passons maintenant au quatrième paragraphe. Alors, on va aller cette fois-ci dans d'autres façons d'animer notre texte. Là, vous avez toutes les entrées courantes et puis les accentuations que vous pouvez donner ainsi que les sorties et les mouvements. Mais les mouvements, c'est souvent plus pour les personnages ou les images. On le fait rarement pour les textes. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans modifier un effet d'entrée. Et là, bon, on a tous les courants qui sont en haut de page, les discrets, les modérés, etc. Et on en a énormément. Par exemple, si on fait un agrandissement comme ça, agrandir et tourner, on peut faire OK et le faire, par exemple, bien sûr, après le précédent. Et on va non pas le faire tout simultanément, mais par exemple par mot. S'il te plaît, 5 secondes, oui. On voit que c'est quand même assez rapide. Donc on peut augmenter là. Du coup, on va augmenter 8. C'est encore rapide à passer à l'autre mot. C'est pas vraiment ce que l'on veut, donc là on peut aller encore plus loin et le mettre jusqu'à 15, je crois que ça devrait aller. Voilà, 15. Et là effectivement les mots apparaissent et là on a plus de facilité à les lire, surtout qu'ils apparaissent vraiment un par un ou presque. Et c'est ce qui compte dans cette animation. Alors nous avons fait la phrase entière par mot et là maintenant on va mettre par lettre. 5 secondes, ça me paraît bien, enfin, on va laisser à 5, on va bien voir. Oui, là, c'est pas mal, en fin de compte, ça permet de lire le texte à peu près correctement, donc c'est une bonne solution. Même lorsque nous avons pris une animation pour un texte, il est quand même possible de la changer. On va reprendre le texte et puis là, on va choisir une autre animation. Et on va prendre, par exemple, flottant vers le bas, ou même fouet, voilà, c'est assez amusant, fouet. Voilà, on clique et on y va. Donc on regarde les effets, combien de temps entre les lettres, c'est pas mal. Allez, on regarde. Ce qui est important dans les animations de vos textes, c'est qu'ils soient calculés pour que l'on puisse lire simplement sans être obligé de se dépêcher ni devoir attendre le mot suivant. J'espère que vous réussirez à faire de belles animations de vos titres et de vos textes pour les rendre plus ludiques et attirer plus le regard que les textes ordinaires et que vos présentations aient du succès. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à très vite. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire. Et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite !